À vie. Je vais faire taire. Non, je vais vous faire taire ça. Progressivement. Oui, oui. Excellente idée, sans oublier l'encouragement qu'il a exprimé à l'égard du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que celui-ci poursuive ses contacts avec ses homologues de la région pour arriver à trouver une paix durable à l'est de notre pays, mais également dans tous les territoires, parce qu'il n'y a pas que l'est. On voit bien qu'au sud aussi, il n'y a pas suffisamment de sécurité. Et donc, ce discours, je considère qu'il est équilibré et ça nous interpelle pour que désormais nous puissions taire nos querelles et que nous puissions nous mettre au service du peuple. C'est la justification de notre présence ici. La présence du sénateur Ragon, vous êtes venu là La présence du sénateur Avis, elle est très appréciée par nous tous, du fait que d'abord nous allons bénéficier de son expérience. Il a eu à gérer le pays pendant plusieurs années, donc il connaît beaucoup de choses. Mais deuxièmement, il faut considérer que c'est une activité, une présence tout à fait normale. En tant que sénateur, il est sénateur Avis, c'est vrai, mais il est... Le gouverneur de trois provinces, l'Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, ont tenu à approcher l'Assemblée nationale pour faire un plaidoyer. En effet, actuellement, il se constate un activisme prononcé des groupes armés qui sèment l'insécurité, qui violent, qui tuent. Face à cet activisme, il s'avère nécessaire de repenser la politique nationale en vue de mettre à bout, ou en tout cas d'éradiquer les groupes armés. Réinsérer de manière réussie, n'est-ce pas, les combattants et mettre fin à l'insécurité à l'Est. Alors, cette politique doit être encadrée par un plan général de développement pour chaque province en vue de développer à moyen terme nos provinces et obtenir, n'est-ce pas, une insertion, comme je l'ai dit, réussie, créer les emplois, construire les routes. Alors, le gouvernement sont venus faire un plaidoyer auprès de l'Assemblée nationale pour que celui-ci ou celle-ci, l'Assemblée nationale, puisse activer en tout cas ses manettes auprès du gouvernement pour que le gouvernement s'implique et repense effectivement en impliquant nos communautés, nos provinces dans une approche où nos communautés et nos ménages sont impliqués, nos enfants tous à la base, pour obtenir une paix durable. La diplomatie parlementaire. À l'interne, nous devons faire notre travail. Mais comme vous le savez, il y a des groupes armés nationaux, il y a des groupes armés étrangers. En cela, la diplomatie parlementaire est nécessaire pour amener la dynamique régionale à s'occuper, n'est-ce pas, de groupes armés étrangers, les éradiquer. Parce que des fois, on a tendance à constater une certaine connexion entre l'activisme des groupes armés étrangers, au sud Kivu, même au nord Kivu, et même en Ituri, une connexion entre... le groupe des armées étrangères et nationaux, et ça devient plus compliqué. Subordonne l'examen du projet de loi de finances de l'année
au vote préalable de la loi portant rédition des comptes de l'exercice clos. J'invite donc le gouvernement à faire la diligence nécessaire en ce qui concerne le projet de loi portant rédition de comptes de l'exercice 2019. J'ai eu le privilège d'échanger avec certains honorables députés nationaux de retour de vacances parlementaires et les représentants du patronat congolais. Dans cet élan et en application de notre mot d'ordre dans la proximité à l'écoute du peuple, nous avons aussi eu des discussions fructueuses avec plusieurs groupes représentatifs des forces vives de la population congolaise. Et il ressort de ces échanges avec les milieux économiques que l'état actuel de notre économie est le résultat d'une configuration ancienne, marquée par une dépendance accrue vis-à-vis de l'extérieur, une diversification limitée et son ouverture basée sur la demande extérieure en matières premières et en offre de produits de première nécessité. En effet, soutenue particulièrement par le secteur minier, l'économie congolaise est restée fragile et non inclusive. Elle ne permet pas, dans les conditions actuelles, un développement économique et social durable de nos citoyens en raison justement de la nature extravertie des investissements engagés depuis des décennies. Par ailleurs, l'insuffisance ou la faible qualité des infrastructures de transport, d'électricité, des nouvelles technologies, de la communication pour soutenir et accompagner cette activité de production ne permettent pas de fournir au secteur privé, créateur d'emplois, les conditions idoines d'une croissance et d'une compétitivité de nature à changer la donne et le visage économique de la RDC. Concernant la CENI notamment, il est demandé au gouvernement de consacrer une rubrique budgétaire conséquente, graduelle, pour la préparation des opérations préélectorales et électorales qui devront se tenir dans les délais prescrits selon le vœu du chef de l'État. Chers collègues, sur le plan de la diplomatie parlementaire, l'Assemblée nationale apportera sa pierre à l'édifice de la paix et de la stabilité de notre sous-région par le biais des missions parlementaires auprès de certains pays des Grands Lacs. Elle assurera en outre une bonne représentation du pays dans différents forums internationaux et africains qui se tiendront sous format de téléconférence. Au cours de cette session, au regard de l'article 217 de notre règlement intérieur, nous entamerons aussi le processus de création des groupes d'amitié avec les parlementaires d'autres pays amis. Ainsi, il sera demandé aux députés de se déterminer dans ce cadre. Nous nous réjouissons enfin des signaux positifs encourageants qui ont été marqués par certains partenaires désireux d'appuyer l'Assemblée nationale dans le cadre de son travail. Je cite ici le programme des Nations Unies pour le développement qui va appuyer notre commission PAJ. Nous nous réjouissons entre autres aussi des signaux positifs encourageants provenant du Royaume de Belgique, dont le plus récent est la réaction positive de ses autorités à restituer à la famille les restes de notre héros national, Patrice Henry Lumumba. Il faut dire que devant une activité aussi solennelle, le défi c'est restituer le contexte ou la réalité du Congo. Et je pense que Madame la Présidente a été à la hauteur de l'acte. Elle a peint ce qui se passe réellement au Congo actuellement. C'est l'insécurité, c'est le défi de se relever après le Covid. Et je crois qu'elle a tenu une sonnette d'alarme assez importante. Ce regain de tribalisme, c'est au niveau verbal, mais si on y fait gare, on y prend garde, ça va atteindre le niveau physique et ce n'est pas bon pour le pays. Et aussi, il y a lieu de moraliser même le jeu politique. Vous savez, depuis un temps, dans les différentes déclarations, on arrive à déborder, à toucher même à ce qui est humain et sacré, la valeur de la femme congolaise, la valeur du Congolais en soi. Il était important que la présidente puisse épingler cela. Personnellement, j'ai été beaucoup plus d'accord avec elle sur un point important, à savoir que le budget quitte le niveau des mathématiques, ces équations chimériques, le budget, qu'il devienne un budget vrai. Que la maman qui vit dans l'arrière du pays sente qu'il y a un budget réaliste qui avait été voté et qui a changé son cours de vie. Et je crois que c'était important. Et pour y faire, il faut absolument que la rétrocession au niveau des provinces soit effective aussi. Ici à l'Assemblée nationale, nous avons posé le problème. Nous avons souligné qu'aujourd'hui, il faut absolument éradiquer les groupes armés. Les groupes armés locaux, mais aussi les groupes armés étrangers. Puisque la collision entre les locaux et les étrangers
nous apporte ces drames qui se passent pour les sites Kivu, le Nord Kivu et l'Ituri, et on peut aller vers les Tanganyika. Donc il faut éradiquer les groupes armés. On ne peut les éradiquer que par l'utilisation de la force. Pour ceux-là qui ne refusent pas de rejoindre le chemin de la paix. Beaucoup sont, ils sont nombreux, voire même des milliers, qui sont prêts à se rendre. Mais quelles sont les structures que nous mettons en place pour encadrer les ex-combattants? Si nous arrivons aujourd'hui à encadrer les ex-combattants, ils sont des milliers qui vont quitter les groupes armés. Malheureusement, pour ceux qui vont rester comme des récalcitrants, il revient à l'autorité de l'État d'être appliqué. Et là, c'est les forces de défense et de sécurité qui doivent être renforcées en fait que la paix revienne dans notre province. Les difficultés sont nombreuses. D'abord, au niveau du site Kivu, nous avons des groupes armés à connotation communautaire. Les communautés, et ça c'est un combat qu'il faut aussi mener, cette tendance à manipuler la population et à faire croire à certaines populations qu'il faut se réfugier, avoir son propre groupe d'armée, soi-disant d'autodéfense. Aujourd'hui, nous savons tous que pour être sécurisé, il faut compter sur l'armée et non pas détenir une arme. Ça, c'est un problème. Et je crois que les dialogues qui ont été entamés il y a quelques temps pour la communauté Banyamulenge et la communauté Bembe, ces dialogues doivent se poursuivre. La crise de Covid a été passée, il faut donc continuer à discuter, mais aussi ce que nous avions dit, mettre une nouvelle approche. Par le passé, nous avons eu les DDR, mais ces DDR ne tenaient pas compte des réalités locales. Je crois que le gouverneur des provinces de l'Ituri, tout comme l'honorable vice-président a insisté sur ça, nous voulons demain que les gens soient réintégrés. Et en fait, continuer à discuter au niveau de population, au niveau des groupes armés, au niveau régional, puisque c'est important de casser ces liens entre les groupes armés étrangers et les groupes armés locaux. Le site Kivu est fatigué aujourd'hui, plus de 20 ans, que les problèmes des pays voisins se règlent chez nous. Et je crois qu'il y a une volonté politique qui doit être maintenue, renforcée au niveau des mécanismes. Puisque les questions que nous rencontrons doivent être bien partagées, bien connues par l'Assemblée, pour en faire le suivi au niveau du gouvernement central. Effectivement, nos problèmes actuels, nous l'avons soulevé ici, c'est d'aller savoir vraiment les causes qui aujourd'hui font que les groupes armés ont un cycle récurrent et qu'on n'arrive pas à avoir une solution définitive avec le DDR. Et nous devons penser à une autre approche qui doit ne pas être celle de la facilitation et du bénéfice. Comme vous le savez, c'est une session essentiellement budgétaire. Et étant de la commission ECOFIN, nous avons du pain sur la planche parce que nous allons commencer avec déjà le collectif budgétaire. Nous passerons à la loi sur la reddition des comptes. Et finalement, pour chuter le projet de loi des finances. Et donc voilà, nous avons du pain sur la planche. Madame la Présidente a fait son discours. Je pense qu'elle a mentionné tout cela dans son discours. Problème sécuritaire, le gouvernement est là pour s'en charger. Et nous, le Parlement, nous sommes là aussi pour contrôler et surveiller. Thank you.